Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons sa louange. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant chanter, je veux dire à tous en bonheur.
Assemblés pour faire monter vers toi donc ce parfum de bonne odeur. Tu es l'invité d'honneur à notre culte d'aujourd'hui, cher Seigneur. Nous te demandons d'occuper la place d'honneur, d'occuper la première place, parce que, éternel Dieu, sans toi, on ne peut absolument rien faire. Merci, cher Seigneur Dieu, de nous permettre d'être en ta présence ce matin. Nous te demandons d'acter sur le pas de ceux qui sont en route, de ceux qui doivent arriver, cher Seigneur Dieu. Merci pour cette assemblée. Merci, éternel Dieu, pour ton amour. Et merci pour ta direction. Merci, 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 Seigneur. Les chants que nous allons faire monter à toi, les prières que nous allons adresser à toi, le message, la parole, nous te demandons, cher Seigneur, d'occuper tout cela, de prendre possession de tout cela, et que tout esprit qui n'est pas le sien, nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous bannissons, éternel Dieu, de cette assemblée ce matin, cher Seigneur Dieu, tout esprit qui n'est pas tien, cher Seigneur. Dehors tout esprit qui les appartient, dehors tout esprit qui les appartient, au nom de Jésus, nous sommes rassemblés ici justement pour te donner gloire. Accepte nos prières, nous te demandons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus qui vit et qui rit du siècle des siècles. Amen. Nous allons lire alternativement Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 32. Donc si vous avez votre Bible, donc je vous demande de lire votre Bible dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Young people, I don't know if you have a Bible with you. I want you to open your Bible in the book of Ephesians, chapter 4, verse 1 to 32. If you have that with you, please read it, okay? So I know you don't understand French, but at least you can read that in your phone. I know you have phone, you don't read book anymore. You don't carry your Bible anymore. You just bring, you know, your phone with you. So open your phone in the book of Ephesians, chapter 4, verse 1 to 32. Thank you so very much for that. Nous allons lire alternativement. Ephesians, chapitre 4, verset 1 à 32. Nous obligés de dire 1 à 32, c'est justement parce que nous voulons quelqu'un qui va gagner le temps pendant ce même pour y même font coup d'œil dans la Bible. Donc c'est dans l'église, là, où il lit. Donc, Mathieu nous a appelé au nom de Jésus pour sa banni. Donc, pendant notre travail à l'embrayou, au lieu de sur Facebook 24/7, open your phone and read some verses. And that would be good for you. Ok, Ephésiens chapitre 4, I'm going to start. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des bons hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de donner toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et l'auteur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Afin que nous soyons unis des enfants, flottant et emportés à la couronne de Dieu, par la tombe des hommes, par la religion impermanente des Écritures. Amen. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et de la grâce à l'honneur et de son assistance que tout le corps vient d'ordonner et formant un solide assemblage, si c'est de son appartenance et de la naissance qu'on gagne à chacun de ses parties, et c'est de lui même à la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des vêtements obscurcis, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'insouciance de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne déchirez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui est au père ne colore plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant ce service qui est bien, pour avoir un droit de vie. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent mes grâces à ceux qui l'entendent. N'avancez pas à cette esprit de Dieu, quand le cœur va être scellé pour le jour de la grâce. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous ensemble. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle ne s'envole. Plus que deux ou trois, la Bible dit, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, nous allons là, moi, nous plus que deux, nous plus que trois, je ne l'ai pas même. Nous plus que deux, nous plus que trois. Pendant ce maintenant, il y a quelques informations qui t'étendent, nous t'es retenu pour nous faire information, pour ne pas faire information alors, pendant un espace de temps, nous allons faire information, mais l'information, ça a été tombée parce que tout simplement, nous avons fouillé. Justement, nous avons toujours aimé l'information chrétienne, yo. Information qui, on dit, j'en ai informé de ce qui a passé à travers le monde, ou même chrétiens ont besoin d'informer. Guys, you need to know what's going on throughout the world. You need to know what news, you know, I'm making news. Okay? So, that's why, et que, dès qu'il y a des informations, ça, lorsqu'on a prié, pas de prier pour les chrétiens qui sont en Inde. Chrétiens en Inde, au matin, on dit, moi, je m'attends comme ça, il n'y a pas qu'à réunir. Ça fait ça, c'est parce que c'est une maladie interdite. Hein? Donc, pas seulement en elle, en Russie soviétique, tout. L'information que nous déjoignons, c'est que mon équipe chrétienne qui était prêt, ils ont boulé, ils ont crasé, ils ont tué, ils ont crasé l'église, tout ça.
parce que il était à prêcher l'évangile. Ça m'apprend bien là d'ailleurs qui dit que il était pensé avec toute notre foi que on va nous hein, mais d'avoir retiré Jésus-Christ en dans cœur. Ça sont paroles qui fort. Son parole qui fort. Il était pensé à toute notre foi que à ben nous yo, le cas retiré Jésus-Christ en dans cœur nous. Ça fait me sentir que des monde qui décidé mourir, hein, mourir, on dit bien mourir pour à cause de l'évangile. Si on sont monde qui d'accord mourir pour la cause de l'évangile, on dit amen. Amen. Ah, c'est pas tout le monde qui dit amen. Quelqu'un qui dit ah, c'est pas, il faut mourir pour l'évangile. Mais pourquoi elle ne veut pas mourir? En Russie soviétique, il y a des nouvelles lois qui fait ceci. Côté que Poutine déclarait que a fait pas la missionnaire après entrer à couper ça. Si un missionnaire après entrer, il faut que d'abord libre dans le département du travail une lettre de travail. Et s'il a prêché, c'est pas ni dans le train, c'est pas ni dans le bus, c'est pas ni dans la rue. S'il a prêché, ça va prêcher dans l'église, dans quelques églises qui étaient ouvertes. Bon, des chefs qui sont dans l'église là. Chef ça, c'est pour veiller aussi ou faire appel pour le monde converti. Il y a des gens. Il va faire appel pour le monde converti. C'est disordre et puis éviter le message en bas là pour ne pas inciter les gens qui étaient religieux pour venir dans le là. Donc, loin ça fait sauté, je réjouis, parce que loin ça sauté. Pour qu'ils aient Moïse, je réjouis parce que la Bible dit ça, pas vrai? Donc, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça, c'est une parole qui est claire, oui. Donc, vos tribulations, oui, vu. Depuis dans mon bail, qu'il faut faire, oh, c'est le commencement des douleurs que la Bible parle. Et Poutine déclare et tout, il dit que, bon, l'autre voit encore, côté que même réunion en taille. Il n'y a pas d'accord. Si on est devant la carrière de trop machine, il y a un checker pour qu'on soit parlé. Donc, qui signifie qu'on fait réunion de famille, mais qu'il faut que réunion de famille, ça, il n'y a pas suspect qu'on réunion en la carrière. Il y a voyé mon militant des ordres. Cette question, pour prêcher l'évangile, bah, il fly dans la rue, même lorsqu'on ne peut pas parler, bah, ben, ça, il y a interdit ou passer de peine de combien on prend 10 000 dollars à 25 ans de prison ferme. Et on connaît prison en la Russie, surtout les aucun pour cause politique ou bien pour cause religieuse comme ça, ou pas servir de misère. Donc, il suffit, pays, ça reste sur les pays, c'est ça que nous déjeunons dans Lyon, lorsque nous avons chouillé. Donc, ce sont les pays, définitivement, qui étaient des pays qui ont besoin d'appui. Et dernièrement, lorsque nous avons voyé au monde qui était en Russie, qui a obtenu la vie essentielle, ça a été réjoui, nous avons dit, waouh, ça a été réjoui. Ça a été réjoui dans le pays. Donc, nous disons, bon, merci pour le travail que. Ou à faire ou même pas ici. Justement, dis-moi Dieu merci pour l'évangile qui t'a prêché dans le pays pas ici. Ou bien liberté, ou vin là, sans problème, ou quand on chita là, ou chante, ou quand on veut pour toi chanter, pas aucun monde qui a un bon problème, l'État n'a pas un problème, pas quoi pas un problème dans ça. Bien que ça lui arrive, parce que la Bible dit que bon temps qui va arriver, côté que chrétien n'a pas persécuté en belle. Nous allons chanter numéro 3 créole qui dit si vous voulez casser tout code, vieux péché. Vous comprenez? Donc, matin là, nous voulons que nous chantions ça également parce que nous même nous connaissons Moïse dimanche, pendant un mois, pendant la rue, frette là, pendant un an. Ok, nous allons chanter avec toute énergie. Nous, si vous voulez casser tout code, vieux péché, gagnez force.